m'appelle John. Je m'appelle Aubin. Léo. Je m'appelle Julia. Marc et Mathilde. C'est un annuaire d'associations, d'initiatives parisiennes qui permettent à tout un chacun de s'investir bénévolement pour un projet qui leur tient à cœur. Ça regroupe toutes les initiatives par thématique et ça permet à tous ceux qui le souhaitent en fait, de retrouver juste à côté de chez soi un endroit où s'investir. Un bon cadeau à faire à des gens qui se demandent comment contribuer. Être ambassadeur, c'est avant tout partager les valeurs que prend le guide et... Aider l'association pour distribuer leur guide. C'est le client qui les voit parce que j'ai mis un exemple sur le comptoir. Donc les gens feuillettent et ensuite on peut en parler et essayer de convaincre les gens d'en prendre. Pour la simple et bonne raison qu'en fait la ressourcerie est aussi un lieu d'engagement citoyen, c'est-à-dire qu'on a énormément de bénévoles qui aident et du coup on est tous convaincus que le bénévolat est hyper important. Parce que ça s'inscrivait carrément dans ce qu'on essayait de faire avec Love and Dress. On se retrouve totalement dans les valeurs, dans les idées véhiculées par ce guide. C'est un bon support de discussion et si ça peut permettre de toucher aussi des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ces sujets-là, c'est de tant mieux. Je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse nous aussi offrir une possibilité aux gens d'aller s'inscrire dans d'autres associations et s'inscrire dans d'autres engagements que celui qui est proposé à la ressourcerie. On a des gens qui sont rentrés dans la boutique qui ne nous connaissaient pas du tout et qui viennent parce que la boutique est référencée chez vous. On est un peu acteurs du changement, donc c'est intéressant pour nous qu'on arrive à augmenter, je dirais, ce nombre d'acteurs. On est nous-mêmes référencés dans le guide, donc pour nous ça a énormément de sens en fait de communiquer autour des possibilités de bénévolat qu'on offre et aussi celles des autres acteurs du quartier.